écrit par Colin Pierret aux éditions Rouergue. Ça raconte l'histoire de Yazel, qui est une petite fille sourde et orpheline, qui a été recueillie par sa grande tante qui vit dans un très grand manoir, qui va faire la rencontre de Victor, qui est un cambrioleur à ses dépens. Il va l'emmener en Bulgarie pour disperser les cendres de ses parents dans le lac où ils se sont rencontrés. Donc j'ai vraiment adoré cette histoire. Elle est émouvante et en même temps drôle. Les personnages sont attachants et on voit bien la vie courante des malentendants. On voit bien aussi l'évolution de ces deux personnages. C'est très bien écrit, donc l'histoire est fluide, il y a un bon choix de mots, et voilà. Il y a beaucoup de passages descriptifs qui permettent aussi de visualiser vraiment le lieu où se passe l'histoire.